Pour un ingénieur, le conseil, c'est pas la voie royale. Ceux qui disent ça n'ont pas cherché leur voie chez Accenture. Je me suis orienté vers une formation d'ingénieur parce que j'étais très orienté vers les métiers technologiques. J'ai entendu parler d'Accenture par des amis. Je suis arrivé dans une entreprise dont je ne connaissais pas fondamentalement les métiers, en opposition avec les métiers plus traditionnels vers lesquels je me destinais. Bon nombre de nos clients sont des acteurs majeurs dans le domaine de l'industrie, que ce soit automobile, aéronautique, des nouvelles technologies. Donc une diversité de clients. Ça a été des expériences sur des missions plus stratégiques, des expériences sur des missions plus opérationnelles, des expériences sur des missions organisationnelles qui m'ont permis d'avoir une vision globale d'un certain nombre de métiers que je n'aurais pu avoir dans l'industrie. J'ai accédé à des postes de responsabilité beaucoup plus rapidement dans le conseil que je n'aurais pu avoir dans l'industrie, notamment les industries vers lesquelles je me destinais en étant ingénieur. L'ingénieur, la vision que j'avais, c'était quelqu'un qui rentrait dans la conception même des produits, et c'est ce que je recherchais. Et chez Accenture, ce que j'apprécie, c'est que finalement, je participe à cette conception et surtout à la mise en production, à l'industrialisation de ces produits, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique ou dans l'énergie. Ma formation d'ingénieur me permet d'avoir des échanges techniques peut-être plus pointus, qui me permet justement d'adresser la problématique de mon client plus efficacement. Ce qui m'a permis d'évoluer tout au fil de ma carrière, c'est justement de ne pas être bloqué par une image, par un stéréotype de l'ingénieur en l'occurrence, d'être ouvert à d'autres types de métiers auxquels on pense un peu moins, qui finalement nous apporte la même richesse, voire plus, par rapport à ce qu'on peut anticiper en étant en école d'ingénieur.